Salut, salut! Bienvenue sur Matinée. Vas-y, arrête avec le générique, tout ça, on n'a pas le temps. On t'avait laissé avec le claquement de doigts de Thanos. La moitié de la population qui était morte, tu vois, les Avengers, ils étaient en batterie, tout le monde était parti, ouais, tout le monde partait en fumée. Et là, vas-y, ça reprend, on est exactement dans le même délire. On est avec Hawkeye, il est avec sa famille en train de faire un atelier de tir à l'arc. Claquement de doigts, donc sa famille disparaît. Laura! Il commence à crier. Ma chérie! Qu'est-ce qui se passe, tout? Il cherche. Laura! Cut, générique Marvel. Vas-y, Thanos sur sa planète, il est en mode fin de vie, frère, il s'est niqué en voulant utiliser le gant d'infinité. Les Avengers, ils débarquent, Captain Marvel le chope à la gorge. Thor, il vient, lui chlasse son bras. Il dit alors, fils de pute, l'autre Thanos, il est là, alors, tête de géant, tu crois, j'ai peur. De toute façon, j'ai réussi à vous baiser, les pierres d'infinité, je les ai détruites. Et là, Thor, il pète un câble, il lui chlasse la tête. Et là, on est 5 ans plus tard. Ant-Man, il réapparaît de l'univers quantique. Il dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à pas triper, il dit, bon, vas-y, je vais aller retrouver ma famille. Il court, il retrouve sa fille, elle a grandi. Papa! Mais t'étais petite là, t'as grandi! Tellement grande! Elle dit, ouais, bah ça fait 5 piges, t'es parti, papa! Que là? Vas-y, je vais aller voir les Avengers. Salut, y'a quelqu'un? Il commence à les parasiter. Hey, moi je suis parti 5 secondes, pour vous c'était 5 ans. Obligé, on peut faire un délire, on peut remonter le temps, aller récupérer les vraies pierres d'infinité dans le passé. Une machine à voyager dans le temps. Ouais, ça peut se faire, hein, c'est pas improbable. Venez, on va faire des tests. D'accord, Jamy. Il prend Ant-Man, lui dit, bon, vas-y, je vais te faire voyager dans le temps. Excuse-moi. Il appuie sur un bouton, il fait devenir petit, il fait devenir vieillard. Après, il y a Tony Stark qui débarque avec sa Audi. Déterre, il s'arrête devant Captain America, il dit alors, vous amusez avec Ant-Man là? Il s'est changé en bébé? Ouais, comment tu sais? Il dit, regarde, j'ai inventé un système, j'ai réfléchi à votre délire. Spatio-temporel. Bon, on a 5 capsules. 6 pierres. On peut faire le saut qu'une fois. Un aller-retour chacun. Faut aller revenir, aller récupérer les pierres d'infinité dans les vieux films. C'est n'importe quoi. T'as la première équipe avec Hulk, Iron Man, Ant-Man, Captain America. Un aller-retour chacun. Et là, il voyage dans le temps. Pouf. Il retourne dans le film Avengers. Ils sont là, bataille de New York, ils voient les autres acteurs. Hey, c'est nous là! Hulk, il était déter avant là, t'es flingué maintenant! Hulk, lui sur le côté, il va aller voir la meuf, t'as Doctor Strange. Je veux ça! Elle le bloque, il fait un jutsu, mon frère! Il reste bloqué, Hulk, il reste que Banner, il marche comme ça, il dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Hulk? Ouais, mais t'es chelou, toi, pourquoi je te donnerais la pierre? Il lui dit, ouais, mais Doctor Strange, il l'a donné à Thanos, il dit, ah bon, il l'a donné à Thanos, comment? De son plein gré? Bah vas-y, tiens. Sur le côté, Tony Stark et Captain America, ils sont dans le QG des Avengers. C'est la fin d'Avengers, ils ont niqué. Loki! Et là, t'as Iron Man déguisé en keuf qui leur prend la mallette avec la pierre. Hulk, il fait le con. Boum, ils perdent la pierre. Dans le bordel, Loki prend la pierre et il se fait ce qu'il... Ils se retrouvent comme des cons. On a vraiment merdé. Pendant ce temps-là, t'as Captain America qui récupère le sceptre en se faisant passer pour un nazi. Ah, il hydra. Après, il se croise lui-même. Manquait plus que moi. Ça se tape, il se gomme. Il le calme avec le sceptre. Du coup, Captain America et Iron Man, ils décident d'aller chercher la pierre dans les 70s. 1970. Captain, il file le sceptre à Ant-Man. Il rapporte ça à la base. On se retrouve dans 5 secondes. Tony Stark, il se retrouve à l'époque où son daron, il était encore vivant. Howard Stark. Son rap, il lui dit, ouais, ma femme, elle est enceinte, je vais avoir un fils. Félicitations. Il parle avec son père de sa future naissance, il est mort de rire. J'ai l'impression de le connaître. Au final, Tony Stark, il repart avec la pierre d'infinité. La partie reprend. La deuxième équipe, c'est Thor et Rocket. Ils voyagent dans le temps et ils se retrouvent dans Thor 2. Sur le côté, ils croisent sa Romée. Et elle capte que c'est pas Thor d'aujourd'hui. Elle dit, ouais, t'es Thor du futur, toi. Le futur? Après Rocket, je lui dis, vas-y, mais toi, on a un truc à faire. Thor! Il va aller récupérer la pierre d'infinité. Faut qu'on dégage. Attends, j'oublie un truc. Troisième équipe, c'est sur Vomir, c'est Hawkeye et Black Widow. Bienvenue. Et là, ils croisent le Red Skull. Si vous voulez récupérer la pierre de l'âme, y'en a un de vous deux, il doit donner son âme. Black Widow, elle commence à dire à Hawkeye, hey, toi, t'as une fafa, tout ça, moi, je suis célibachienne. Moi, je vais donner mon âme. Qui va se suicider en premier. Tu tires à l'arc, elle fait des galipettes, elle électrocute. Elle jette, tu vois, en mode cliffhanger. Elle est désolée. Elle le lâche, elle tombe, tu vois. Et lui fait non. Après, il se réveille, il est à la plage, il ouvre sa main et il a la pierre. Voilà, quatrième équipe, c'est Nebula et Aaron Patriot qui vont dans le film Les Gardiens de la Galaxie. Et là, Peter Quill, il est au début du film, il est en train de danser comme un teubé. Et le regarde, il dit, c'est un teubé. C'est un idiot. Après, ils vont patate dans sa mère et ils récupèrent la pierre. Sur le côté, Nebula, elle est en connexion avec Nebula du futur. Il y a un bug dans son réseau Wi-Fi. Thanos, il l'attrape, il la met en mode rétroprojecteur et il commence à regarder les archives. Il voit sa mort, quand Thor, il lui chlasse la tête. Ouais, je sais quoi ce délire, c'est qui ces bâtards? Avenger. Vas-y, tu vas aller remplacer ta doublure du futur. Cette autre Nebula. Donc elle vient, elle la pète, elle la remplace, tu vois, elle change des pièces. Elle dit, vas-y, ils me reconnaîtront pas. Voilà, toutes les équipes, elles sont rentrées dans le présent. On les a toutes. Iron Man, il se dit, vas-y, je vais vous fabriquer un gant, moi, bougez même pas. Il va claquer des doigts. Bon, Thor, il est en mode, ouais, moi, je vais le prendre, je suis le plus fort. Je vais le faire. Et Thor, il est bourré, gros lard, il sert à rien, donc le jeune, il dit, vas-y, reste assis. Laisse-moi le faire. Hulk, il vient, il commence à faire le mec des terres, moi, je vais le porter. C'est à moi de le faire. Et là, Hulk, il commence à serrer les doigts, oh, tu vois, il souffre et tout, sa mère. Ouah, il claque des doigts. Et là, on voit Hawkeye, il reçoit un coup de bigot de sa meuf. Sur le côté de la Nebula du passé, elle déclenche le système quantique là et elle ramène le vaisseau de son daron. Qu'est-ce qu'il fait ce bâtard? Il tire. Boum boum, il bombarde. Bruce Banner, Ant-Man, tout ça, ils se retrouvent sous les décombres, ils sont bloqués. Aide-moi! Y'a que Thor, Captain America et Iron Man qui sont dehors. Thanos, lui, il est assis, il est en train de fumer sa chicha. Tuons-le pour de bon. Thor, il court en mode éclair.
Iron Man, il... Captain America, il envoie son bouclier. Mais vas-y, ils étaient d'une tétanos. Il les envoie voler à droite, à gauche. Mais vas-y, il leur fait du sale. Iron Man, il s'est fait coucher en 2 secondes, mon pote. Il commence à éclater Thor. Bim, 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 bim. Et là, il y a Captain America, il fait une dinguerie. Tu vois, le vieux marteau de Thor, Captain America, il arrive à le contrôler. Il l'appelle, tout. Après, il arrive à faire des éclairs avec et tout. Il devient dieu de la foot, Captain America, normal. Thanos, il appelle toute son armée. Il y a tous les Stromos, il débarque. Qu'est-ce qui se passe? On voit les cercles, ils s'ouvrent dans le ciel. Doctor Strange, il a ouvert des grands portails avec tous les Chinois là. Black Panther avec son armée débarque avec sa sœur. Il m'en fait. Le soldat d'hiver, le gardien de la galaxie, Scarlet Witch, Spider-Man, tout ça, tout ça. Tout le monde est là. Je vois que tout le monde est là. Captain America, il les chauffe à l'attaque. Everybody was. On savait pas très que l'autre il envoie des patates. L'autre il mitraille de partout. Tout le monde fait ce qu'il a à faire. Thanos il repère Hawkeye en train de courir avec le gant d'infinité, il dit allez-y capitaine. Et vas-y là, ils jouent au football américain, ils se le font tourner. On fait le 23. Black Panther il vient, il dit donne-moi la baballe. Il commence à courir, il saute, il tape des méchants, il fait des galipettes. Après il donne la baballe à un autre. Je suis démarqué. Donne-moi la baballe. Et Spider-Man il commence à éviter les méchants. Au final il saute en l'air comme ça, il y a Valkyrie, elle passe. Salut. Ils se font bombarder. Et là il y a la meuf de Captain Marvel qui débarque, mon frère. Oh ouais. Elle commence à défoncer le vaisseau de Thanos. Et elle s'approche de Peter Parker, elle vient, elle lui dit salut Peter Parker. Salut, je m'appelle Peter Parker. Salut. Et là Captain Marvel, il y a toutes les ous qui viennent à côté d'elle. Eh vas-y, on va t'aider cousine, t'inquiète même pas, on est là. Girl power. Pendant 40 secondes, les meufs elles se battent ensemble. Elles essayent de défoncer l'armée et faire avancer les ous. Et là Thanos il s'en bat les couilles, il la secoue. Bic bic bic. Et elle lâche le gant. Et là Doctor Strange il est en train de tenir une rivière qui est en train de tomber. Il fait comme ça à Tony Stark. Il lui dit vas-y, faut y aller mon gars. Il va, il prend comme ça le gant, il essaye de tirer. Tiens, Kryptalénité. Il claque des doigts, ça marche pas. Il voit, il n'y a plus les pierres. En fait, Iron Man lui lâche les pierres, il les a dans sa main. Il commence à vibrer, il lui dit je m'appelle Iron Man. Psst. Il claque des doigts. Thanos, il part en fumée. Et là, Iron Man, il est comme ah, tu es pas bien, la bat triple sida, mon frère. Monsieur Stark. Tout le monde vient le voir. Eh, meurs pas, pourquoi Tony. Et lui, il est là, il meurt. It's been a long. Après l'enterrement, Captain America, il est avec Banner, qui lui dit, bon vas-y là, tu vas aller ramener les pierres d'infinité, maintenant qu'on les a utilisées, faut les ramener à la bonne période. T'inquiète pas, Bruce. Ils le font disparaître, au bout de 5 secondes, il réapparaît pas, ce bolos. Où est-il? Banner, il appuie sur le bouton, il essaie de le ramener. Ah putain, il est pas là, ça bug. Non, t'es de Zeus. L'autre, il se retourne à le Renoir, pouf, il pisse, il y a Captain America, il est posé sur un banc, tu vois, en mode pépé, vieux. Capitaine? Il a son bouclier sur le côté, il lui dit, ah vas-y, j'ai bloqué dans les années 40 avec la petite Peggy là. Je lui ai fait des gosses, je l'ai cartouché, je me suis mis yo. Ça a été magnifique. Il dit, mais je suis content pour toi, t'as vécu ta vie, mais non. Sans Capitaine America. Captain America lui sort le bouclier. Vas-y tiens, maintenant Captain Africa, casse-moi pas les couilles. On fait le 23. Et y'a pas de vidéo post-générique hein. Quoi? Si on voulait plus. Tout est direct. On n'emploie pas un avocat pour ça, ça. On dit qu'est-ce que tu fais? Boum boum.